Oui. Bon, dans quoi je me suis embarqué encore? Bon, vous le savez, on devait déménager de garage. Je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard. Mais là, je me suis embarqué dans un truc, vraiment. Je pense que c'est le premier cégep dans lequel on va devoir faire des travaux. Et qui dit travaux, dit pistolet à peinture. Et voilà mon copain! Dit escabeau, dit marteau. Oh mais non, vache! Oh, dit casser des murs. Et ça, je pense qu'avec les gars du cégep, ça va être très drôle. Bon, j'ai loué un local qui est encore plus grand que celui d'avant. Il est à deux rues, littéralement, de l'ancien. Donc en termes de déménagement, ça devrait être un peu facile. Mais bon, je m'aventure pas trop parce qu'il y a quand même une pouille vis-à-vis à bouger. En fait, je trouve que ce local, il a un giga potentiel. C'est juste que c'est le premier local qu'on nous livre pas brut comme ça d'un seul coup. Il est dans son élément, là. Edouard, il est heureux, là. L'autre, c'était un garage, il y avait juste à l'emménager. Et puis voilà, là, va falloir faire pas mal de travaux. Là, les gars, ils sont revenus de Leroy Merlin. Ils me rejoignent parce qu'ils ont acheté des pots de peinture. Et on va devoir casser des murs. Et je pense que ça va être très drôle. Et donc, il est là. Je sais pas qui tape. Il y a une prise, là. Oui, mon copain. On est encore en plein centre de Bordeaux. Et ça, c'est une vraie chance. Et ce cégep me fait vraiment penser à un bunker. Vous verrez quand je vous montrerai tout, l'entièreté du garage. Mais on dirait un bunker. Prendre un casque quand on fait ça. D'accord? Et des lunettes. Ouais, les EPI. C'est quoi, EPI? C'est équipement pour informaticien. Bon déjà, ça a bien aéré l'espace là. Hein. Bien ouvert, hein. Des fois ça saigne. Mais... Encore une fois, ça va être une aventure exceptionnelle. J'espère que vous allez kiffer. On sait rebondir à chaque fois qu'on a des problèmes dans la vie. Et ça, on vous le montre encore une fois. On perd un garage, c'est pas grave, on trouvera quelque chose de mieux. Et on avance comme ça, c'est parti, let's go. Blessure de guerre. Tant pis si ça saigne, il faut que ça rentre. En fait, il fait mumuse encore depuis 30 minutes. Ça doit y aller fort, hein. Putain, mon gars. Et voilà, les deux gros porcs au restaurant, comme d'habitude. Nickel. Bah, si c'est lui qui l'autorise, c'est que c'est bon, alors. Regardez ce gras, là. Ce gras, mon gars. On est tous gras. Bonne bouteille de pinard. C'est un jus de raisin. Là. Un jus de raisin. Regardez les deux frères porcons, là. Regardez les regarde, deux, là. Les deux zigotos, là. Je vous présente un bon jus de pomme. C'est un jus de pomme bio, comme vous pouvez voir à la couleur. Une belle couleur brunâtre. Deux frères côte à côte. C'est un jus de prune. Non, c'est un jus de pomme mélangé avec un fond de poire. Ah oui, effectivement. On l'appelle la mallette. Ah, la mallette. Bon, y a plus de McFlurry au McDo, on fait comment là? Notre hypoglycémie là. Attends, je suis pas bien. Je suis pas bien. Oh, ça a l'air bon ça. Ça a l'air bon de fou. En plus, c'est accompagné d'un petit jus de pomme. Moi, j'ai pris qu'un dessert, t'en as pris deux. Pas mal de. Oh, bah tiens. Ça réfléchit à la vie. Oui, non, on vient de s'asseoir à cette table, hein. C'est pas nous qui avons consommé ça. Non, ça c'est les assiettes d'avant. Non, ils attendent pour débarrasser, je sais pas ce qu'il faut. Ah ben, flégon le biceps, hein. Ça c'est grâce au Brookie. Ouais, il cherche un Ferrero Rocher. Bon, j'ai pas de Kinder chez moi, j'ai pas de Ferrero. Oui, t'as rien, bah, regardez. Vous avez déjà vu un placard de bodybuilder comme ça? Bon, je dis ça, mais j'ai le même chez moi. C'est pour la route. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'ai le droit. Ton avant-bras, gros. Elle l'avait de ses artères, le bordel. Ouais, abusé, quand même. Même moi, me fait peur. Je dois me raser et tout. Pourquoi on est posé devant un kebab, gros? Bon, on faisait une petite pause. C'est en fait, si tu veux, j'ai ouvert depuis environ 2-3 mois un blog pour les touristes, pour les restaurants. Donc, je regarde juste en gage de qualité. Voilà, je fais des petits tours. Si la pierre, elle est de bonne qualité. Apparemment, tu as tout mis dans le kebab, c'est ça? J'ai tout mis, ouais. Moi, j'ai tout mis. Mec, la viande est quand même bonne. On devait pas expertiser le bâtiment, non? Non, je suis obligé de tester, en fait, pour le vlog. C'était incroyable. On est venu retester la pierre, là. On est revenu devant... Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de monde. On voulait prendre un kebab chacun, il nous en a coupé un en deux, le premier. Du coup, il allait venir chercher le deuxième. Ah ouais, solide les murs, hein. Il y a une bonne classification ici, ouais. Ah ouais, ouais. L'aspect rural, très sympathique. Et hop, un deuxième. Et n'oubliez pas que même après cette bouffe, c'est important de prendre de la crème de riz. Pendant que moi, je suis en train de mettre des Kinder dans ma crème de riz. Putain, je savais pas qu'un kebab, c'était des stéroïdes. Attends, kebab, c'est de la GH, le bordel. Gros, des aubergines. Ah, crème de riz, M&M's, Kit Kat, Kinder. Là, tu débarques dans ma chambre comme ça. T'es encore plus sec qu'hier. N'importe quoi, gros. Ce kebab, il nous a mis bien de fou. Tu sais que j'ai quasi pas pris de poids. Ah ouais, c'est vrai. Genre vraiment rien, gros. Bon, on a pris des résolutions.
On arrête les conneries aujourd'hui. Ouais, on arrête les conneries. Café, puis aujourd'hui on se repose. Ouais, important. Ça va sur le chantier là ? Une bonne journée de BTP encore là. Allez, c'est parti, on va casser. T'as pris le thermo là ? Les deux beaufs. T'as bu du Ricard ce matin ? Ah non. Tu m'as l'air bien rouge, bien sucé mon copain. Il m'a l'air déjà bien sucé celui-là. Hein. Bien déméché mon copain. Ah oui, méché. Bon, deuxième jour de chantier mon copain, on a tout pété et là faut tout balayer. Attends, mais t'es sûr que tu veux péter cette poutre là ? Gros, il nous faut de la place pour mettre une machine là. Mais bon, bah voilà, ça tient. Et voilà mon copain, full black le CGIM. L'homme à la massue mon gars. Oh mec, t'en penses quoi ? Tu penses que ça va être stylé ? Ouais, c'est énorme. Y a moyen de faire un truc sympa là. Genre c'est 3 fois plus grand que l'ancien CGIM, c'est vraiment abusé. Zram, ça va l'avancée des travaux ? T'es le chef de projet un peu. Je suis chef de projet, c'est l'architecte. Architecte ? Architesto. Architecte. Pourquoi il le soulève là comme ça ? Attends, mais quoi ? L'ambiance, elle va être bien bien dark ici. Hein. Je peux vous assurer que ça va être cool. Bon, on est parti manger poulet braisé avec les gars. Oh, les deux BM qui se suivent là. Ça vous avait manqué les vlogs comme ça. Je sais que vous avez besoin de vlogs comme ça. Je sais très bien que c'est ce que vous kiffez. C'est pour ça que vous aimez le Corona Gym. C'est compliqué de faire des vidéos de 10 minutes. Vraiment, j'ai pris note de tout ce que vous nous avez dit dans la dernière vidéo. Et compliqué de faire des vidéos de 10 minutes comme ça condensées avec plein de trucs. Mais bon, ma vie est tellement trépidante en ce moment que je vous assure qu'il y a moyen peut-être de le faire. Ça risque de pas passer sur les réseaux. Vous voyez. Ouais, il y a des trucs qui passent pas sur les réseaux. On verra OnlyFans comme une certaine. Mais l'avantage du CGIM Live, c'est que vous allez avoir des épisodes assez régulièrement. Je peux vous en tourner un chaque 3-4 jours et vous le monter assez rapidement. Ne vous inquiétez pas, ça devrait être cool et vous allez kiffer. Donc profitez-en. Mais CGIM Live, ça va vraiment être une bête de trucs. Vous savez quoi ? Il y a même Mike et Zram qui vont venir plus souvent à Bordeaux. Mike habite maintenant dans Bordeaux, donc on va pouvoir faire du contenu. Donc vous inquiétez pas, même si c'est assez court, ça restera régulier et vous verrez souvent les mêmes personnes et ça va être vraiment cool. Mike fait partie de ces gym ou pas? Non, je pense que le but, et on a posé carte sur table avec tout le monde et c'était le plus important, c'est, je pense que le but c'est de partager du bon temps tous ensemble et on a vu qu'on pouvait faire de bonnes choses tous ensemble et faire de beaux contenus pour vous et pour nous. Donc bah, je pense qu'on a tout à y gagner en étant tous ensemble régulièrement. Le plus important, c'est pas la quantité des moments, c'est la qualité des moments les gars. Ouais. Regardez Edouard comment il est posé gros. Vous arrêtez de vous battre là. Lui et lui. Edouard, c'est gros, toi là. Il met trop. Non mais c'est toi. Sous-traîne en fait. Vous portez plainte, tout est filmé en plus. Plus. J'ai pas filmé. Si je vais filmer. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Les gars. Là tu cries au milieu, je sais pas, tu cries comme ça. Et je te paye ton poulet braisé. Vas-y, lui en fait. Ah mais chargé. Il a dit on le sait gros. Non, mais tu vois quoi? Pas mal. Maintenant t'es obligé de le payer maintenant. Il a dit. Qu'est-ce qui se passe là? Là j'ai pas envie. Le beauté il est outré en fait genre. La bouffe ou quoi? Et en plus de ça. Sauce testo et nantate. Et un peu de GH. Avec ma traîne. Avant le carbone. Avec du Coca-Cola. C'est Coca-Clean. T'as dit quoi? Vas-y, tu veux quoi? J'ai cru qu'on était dans la BM ou quoi? Je pense qu'il y a des poules dans la cuisine, genre. C'est où il y a un poulailler, gros, dans la cuisine? C'est un bout qui est inversé, genre. En vrai, je pense pas qu'il y a de poulailler. Je pense qu'ils achètent juste un métro. Comme toutes les entreprises. Merci, mec. T'es un expert entrepreneur. La rationalité, en fait. Je suis rationnel. Bon, maintenant qu'on a commandé, c'est le moment de savoir qui est Nati à cette table. Moi, je suis Nati, les gars. La douleur, je le prouverai jusqu'à la fin de ma vie, je suis Nati. Tout le monde est Nati ici. Ah, Coco, t'es Nati, toi? Je me pose vraiment la question. Bah oui. En vrai, tu peux être Nati. Non, mais des fois, il y a des jeunes autour de la table. Si je vois, il y a de la sudation extrême. Moi, je suis un fake Nati, j'avoue, j'ai déjà pris des trucs bizarres. Moi, je suis Nati, le seul truc bizarre que j'ai déjà pris, c'est du salis. Un fume au flocon d'avoine et voilà. Le seul truc bizarre que j'ai déjà pris, c'est de la coupe. T'imagines, j'ai commencé à en prendre à 13 ans. Il se frotte les mains. Bon, ça va, c'est diète, en vrai. En vrai, oui. C'est un repas de Nati. Patate douce, ça va, riz, ça va. Il y a juste le fromage qui d'ail et la crème. Mais attention, il y a du poulet. Zram, tu fais quoi là? Il se met sous le t-shirt de Mike. On dirait ça, il accouche, il accouche d'un bébé. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Et le voilà, le bébé. Il est en bonne forme, le bébé. Waouh. Waouh. Le poteau, il court genre. Tu veux vérifier ton zeb là?
qu'est-ce que tu nous fais? Non, on a pas une voiture. Perquisition du véhicule. Quel danger, t'es un. Ah ouais, l'intérieur, il est carré. Ah ouais. Tirez sa caisse. Yes. Vide la caisse, négro. Pop, 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 pop. Olympia sur le parking d'Intermarché. Tendu. Alors, c'est la dernière image que vous avez d'Ibrahim sobre. Let's go! Ah, vous voyez, Edouard, là, il est en bon état. Enfin, plus ou moins en bon état. Ça, c'est. Regardez la fin de la vidéo. Voilà. Je voulais juste patienter. En plus, ça fait du watch time. C'est cool. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez voir dans quel état Edouard il est. Ça va être cool. Oh, le chantier, mon gars. Putain, mais il y a du bruit à l'étage, là. Oh, mais non, mal. Carré. Oh putain. Frérot, mais c'est quoi? C'est... Frérot, il y a un mont de charge dans le Corona Gym. Pas de camouflage là dans le bordel. Des fruits. Des fruits. Des vrais fruits. Regarde, c'est mon... C'est de la prot. Je peux lécher ou pas? L'effet secondaire du produit que tu utilises pour sécher ou quoi? Y a tout le monde là. Tout le monde est réuni là. Pop, 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 pop. Oh, c'est ma livraison Subway. Oui, oui, excusez-moi, oui, j'ai 2,730. Comment est la testo et la GH, vous avez ou pas 30, ça va? Combien de sub 30 pour ce soir? Bah 6. Ah ok, bah c'est nickel, je les ai dans le corps. Ok, c'est parfait, bon. Carrez-vous, installez-vous. Ça va être la bas de cave ici. 911. On va mettre le scoot, on va le faire descendre par ici. Là. Nickel, en Y, le JM sur le scoot, mon copain. Bad girl. Complètement con ce mec. C'est ton frère gros. He's so crazy bro. Thomas World. C'est cool, tout le monde a l'air emballé par le nouveau CGIM, ça va être vraiment sympa, j'ai vraiment hâte de voir l'avancée parce que moi ça m'énerve quand c'est comme ça. J'ai envie que ce soit terminé en deux jours. On va faire quoi là? Je comprends pas. On va manger. On va manger. On va s'entraîner avec poisson. Poisson, poisson fécond. D'avril. Tout le monde s'entraîne frère. Je crois ouais. Je suis pas venu pour ça. Hein. T'es venu pour quoi? C'est pour moi. Ah oh, nickel, il a sorti ses mitaines. Mitaines, mitaines. Attends mais gros, il y a tout le pot de prêt gros. Ah, même Drame il est choqué. T'en vas moi. Attends fais voir. Gros c'était du style. T'as chaque fois que tu prends une gorgée de ce prêt, t'as genre 10 coupes. Et t'as 10 ans d'espérance de vie en moins. Edouard qui me ramène ma petite monster. Bien gentil. L'autre gros porc qui tape dedans, comme la bouteille de vin hier soir. Allez, c'est dinguerie, dans ce garage, il y a vraiment des gens qui n'ont aucun... Il n'y a aucun sens. Cette histoire. A... Regarde les gens qu'il y a dans ce garage quand même. Non, dans ce garage, il y a plus de testo, c'est vrai, que dans tous les basiques mix de France, gros. Ouais. C'est un mec stylé, non? Moyen, ouais. Un dessert. Un après tout ce qu'on a mangé hier soir. Ça va, on voit pas la différence. Il est choc bar. C'est la première fois que il est vraiment skinny, genre. What the fuck? Quand t'écoutes ce genre de musique de Kéké, là, okay. Tu penses que c'est qui le DJ de la salle, là? Honnêtement, je dirais Edouard. Ah, Edouard, il y a Sex, il a dit que c'était toi le DJ de la salle. Tu penses que c'est qui le DJ de la salle quand t'écoutes ce genre de musique? Pour avoir des musiques de Lopette comme ça, c'est forcément Mikey. Tout le monde qui dit que les musiques de Lopette, ça peut que être toi qui est DJ de la salle. Mais en fait, qui de mieux? Cite-moi une personne qui peut mettre ça. Moi, c'est Mike 4.